Salut, bienvenue à la maison. Yo frérot. Rentre, installe-toi. Bon, du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo House Tour où je vais te présenter mon nouvel appartement ici à Panama. Donc, comme tu sais, j'habite plus de 6 mois de l'année ici à Panama pour des raisons fiscales. En tant que trader, c'est super, super intéressant. J'en ferai d'ailleurs peut-être une vidéo. Auparavant, j'avais un autre appartement. J'ai déménagé dans celui-là il y a à peu près 2 mois. Donc, je vais vite fait te présenter ce que tu vas voir dans cette vidéo. Donc, premièrement, je vais te montrer l'appartement. En deuxième temps, je vais aussi te montrer la tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans la Trump Tower, donc de monsieur l'ancien président Donald Trump. Donc voilà, c'est la tour la plus luxueuse ou luxurieuse ? Luxueuse. Ouais, luxueuse de Panama, la plus grande tour de Panama aussi. Donc vraiment un très, très, très beau bâtiment. Je vais te montrer ça et puis je pense que je vais te montrer aussi, on va aller toquer chez des copains parce que c'est vrai que j'ai énormément d'amis français entrepreneurs qui habitent dans cette tour, donc on va pouvoir aller voir ça ensemble. Donc la première chose qui interpelle avec cet appartement, c'est premièrement cette vue. Donc tu as une vue vraiment à 180 degrés avec toute la mer au loin là-bas, enfin, on verra plus tard, mais on voit Costa del Este, c'est une partie de la ville de Panama. Et juste ici, on voit Ocean Reef, qui est donc une île artificielle comme a été créée finalement à Dubaï, à Monaco, qui a été faite ici à Panama. Avec le port, donc on peut aller prendre un yacht, faire du jet ski, etc. juste en bas. Donc super agréable, super vue, et puis toute la journée, tu as le lever de soleil, enfin, juste incroyable. Maintenant dans le salon, donc la pièce principale, on a un immense canapé, donc je sais pas si on voit vraiment à la caméra, mais il est vraiment, vraiment très grand. Et ce qu'il faut savoir en fait avec cet appartement, c'est qu'il est très différent de tous les autres modèles d'appartements qu'on peut trouver ici à la Trump Tower. Il a été complètement remodelé, complètement refait. Et dans l'appartement, on a 200 000 euros de mobilier. Donc, tout ce que tu vois en termes de meubles, en termes de chandeliers, en termes de statues, etc., ce sont de très, très, très belles pièces qui, de manière générale, on peut dire qu'on s'en fout. Mais honnêtement, quand on vit dans l'appartement, c'est extrêmement agréable de toujours avoir des choses de qualité autour de soi. Donc, on a un grand canapé Natutsi ici. Là, on a une table qui se bouge. Donc pareil, hein, ça peut paraître gadget, mais en fait, c'est super pratique dès qu'on fait des soirées à la maison. Là, une grande chicha qui est magnifique en porcelaine, que je n'utilise pas pour fumer la chicha. En fait, après avoir acheté cette chicha, je crois, je me suis rendu compte que j'aimais fumer la chicha seulement en extérieur. En fait, avec des amis, machin, mais j'aimais pas fumer chez moi. Donc, achat un peu inutile. Donc, je m'en sers comme un porte-encens. Bon, ouais, voilà. Au sol, on a pas mal de tapis qui sont en peau de bête. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas kiffer, mais bon, je trouve ça assez sympa. On a cette chaise, pareil, Natutsi, qui a sur laquelle tu peux brancher ton téléphone. Et tu as des enceintes, en fait, qui sont juste ici. Donc, c'est une chaise que j'utilise énormément pour ma méditation le matin quand je me réveille. Donc, super agréable. Là, on a une télé Bang & Olufsen. Je l'ai jamais allumée depuis que je suis arrivé dans cet appartement. Je regarde pas du tout la télé, donc je pourrais pas t'en dire beaucoup. On a ensuite un système son, tout ici, qui est relié dans la chambre. Enfin, je te montrerai un peu ça, relié aussi avec un Alexa. On a tout un système lumière aussi. Ça, je te montrerai ça plutôt ce soir. Juste ici, on a une statue qui représente je ne sais qui, avec une bonne plaque belge euroyenne. Comme tu sais peut-être, c'est ma paire de trading favorite. Le trophée, clairement. Tu viens ici, tu pries, tu es sûr d'avoir des profits. Ici, c'est un petit cash dispenser, tu peux choper du cash si tu as besoin. Donc ça, quelques petites plantes, whisky, petits trucs d'odeur, j'aime bien mes petits gadgets, on va dire. Là, on a un premier bureau, on va dire. Un premier bureau sur lequel je n'ai jamais travaillé, c'est la même chose. On va dire que je pense, si j'avais une femme, si j'avais des enfants et qu'ils étaient là et que je pouvais travailler là, ça serait très agréable. Mais je suis complètement seul. Je suis complètement seul, du coup non. Là, on a une très très belle pièce de chez Design Geo. Tu peux les checker sur Insta. Vraiment super super cool ce tableau, je le kiffe. Maintenant, quand on en vient à la cuisine, donc on a cette superbe cuisine ouverte, tout en granit avec une table donc qui dépasse, bouquet de fleurs et ce superbe chandelier. Donc ce chandelier, c'est un designer italien. Donc le chandelier a été importé d'Italie directement. Et en fait, c'est un chandelier en cristal qui est recouvert d'une toile et qui donne donc cet effet de super chandelier qui est encore emballé en fait. Donc super cool. Quand on en vient donc à la cuisine, comme je disais, tout est en granit. Je cuisine jamais. Je fais des petits déj à la limite. Mais je ne cuisine pas du tout, donc je ne vais pas pouvoir te dire grand chose sur cet espace de cuisine.
Là, on a un bar qui est un petit peu plus utilisé, on va dire, pour des soirées, des choses comme ça. Mais le frigo, il y a... Frigo classique, quoi, je veux dire. Il y a des œufs et... Et basta. Ouais, il y a des œufs, c'est tout. Donc bref, rien de spécial au niveau de la cuisine. Ensuite, quand on vient là, donc juste à l'entrée, on a quelques horloges, on a toutes les clés de voiture, c'est vraiment le pose merde, en gros. Bon, là, on est de toilettes, mais on s'en fout, hein, je pense. Donc, cela. Ensuite, on rentre, couloir. Première porte, on a mon bureau. Donc, quand on rentre dans le bureau, tout de suite, on a une bonne atmosphère, une lumière très différente, une ambiance très différente. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai fait mettre des vitres teintées, et non pas des phares xénon, mais des vitres teintées sur toutes les fenêtres du bureau, qui me permet donc de pouvoir travailler avec une lumière qui est très très basse. Et en journée, je me fais pas démonter les yeux, j'ai pas de reflets dans mes écrans, il fait pas trop chaud. Donc c'est vraiment vraiment super agréable. Et puis encore une fois, ici, on a tout un système LED qui, du coup, la nuit, rend le bureau, on dirait un vaisseau spatial, quoi. Donc super super agréable. Ici, on a le côté un petit peu plus que je vais utiliser pour tout ce qui est formation. Comme tu sais peut-être, je propose des formations en trading. Tout ce qui est vidéo, ça c'est des panneaux acoustiques. Un autre tableau, ici donc mon setup principal. Dis-moi d'ailleurs si tu aimerais avoir une vidéo plus détaillée sur mon bureau, sur mon setup de trading. Maintenant, quand on regarde de ce côté, on a un autre setup qui est donc en ce moment utilisé par Théo, ici même derrière la caméra, qui est donc mon monteur. Et en fait, ça va être un setup invité. Donc dès que, par exemple, Théo va venir, il va pouvoir avoir un setup ici, on va pouvoir travailler tous les deux dans mon bureau. Si j'ai des associés aussi sur des business autres, ils vont pouvoir venir ici, on va pouvoir travailler à deux et tout de suite avoir deux écrans, pouvoir se brancher et let's go, quoi. Donc super cool pour ce qui est du bureau. Comme j'ai dit, j'en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus approfondie. Ensuite, là, on a du rangement. Là, on a... je sais même pas comment ça s'appelle. Une machine, c'est une machine à laver. Une machine à laver et un séchoir, un séchage automatique. Ouais, enfin bref. Je ne l'ai jamais utilisé depuis que je suis arrivé non plus. Il se lave pas. Non, mais ouais, je t'avoue, je suis pas très doué avec ce genre de choses. Là, on a une autre salle de bain qui, bah, vu que je vis seul, je n'utilise jamais. Donc, j'utilise comme dépotoir. Donc, je sais même pas si... Ouais, non. On va laisser ça. Là, on est sur le master bedroom, donc ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Première chose, le lit incroyable. Donc, c'est un lit qui est tout en cuir de chez Roche-Beaubois. Donc, vraiment une qualité incroyable. Et en fait, avec des tables qui sont incrustées dans le lit. Donc, ouais, très confortable. C'est un 2 mètres sur 2 mètres, donc king size. Donc, autant dire que je pourrais rentrer à 8 dessus. Je ne le fais pas, hein, attention, mais je pourrais. Voilà, on a un canapé. Là, c'est plus là où je vais me caler pour lire ou alors faire une petite sieste. On a le coin télé. Pareil, on a tout un système LED aussi ici. J'ai fait installer des smart home là, Alexa, enfin les trucs Alexa là, Amazon, que j'ai fait mettre un petit peu dans toutes les pièces qui va me permettre d'avoir de la musique partout. J'en reparlerai après, je pense. De la chambre, on a, bah, encore une fois, la même vue sur l'océan. Donc quand on se réveille, c'est incroyable. C'est incroyable. On a en fait le lever de soleil qui vient juste ici te taper dedans en plein matin. Je dors avec les volets ouverts personnellement, donc super agréable. Ici, on a un coin beaucoup plus chill, comme tu peux voir, avec du parquet au sol, un canapé, deux transats, mur végétal. Là, c'est plus là où on va se caler généralement en soirée, s'il y a des fumeurs, etc. Ça va toujours venir ici. Ensuite, dans la chambre, on a un système son qui est tout autour. Donc, tu peux voir qu'il y a des enceintes en fait, qui sont dans les quatre coins de la chambre, qui vont aussi, eux, être connectées à Alexa, qui vont aussi être connectées au salon, qui vont aussi être connectées au bureau. Donc, on a vraiment un surround sound system tout autour de l'appartement. On a ensuite mon dressing juste ici avec tout ce qui est habits, tout ce qui est chaussures. Ici, je vais mettre tout ce qui sont mes sacs. On a quelques montres ici aussi. Bon, rien de spécial à dire. Ici, salle de bain. Encore une fois, rien de spécial. C'est une salle de bain en marbre qui est très jolie, assez simple. Là, j'ai mon petit coin parfum. Ceux qui me connaissent savent que je suis un malade des parfums. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Rien à dire de plus sur la salle de bain, je me douche, c'est tout. La terrasse surtout, mec. On a
Ouais, bon, allons sur la terrasse et passons par le bureau. Ouais, voilà, on a quelques peintures aussi au mur, rien de spécial non plus. D'autres rangements là. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de rangements. Donc rangement ici, rangement là, rangement là, rangement là. Surtout dans le bureau, c'est très pratique parce que j'ai beaucoup de choses, que ça soit vidéo, même des câbles, enfin bref, ça rallonge. Toutes les pièces ont évidemment des baies vitrées qui peuvent toutes s'ouvrir. Donc c'est super agréable, même quand tu fais des soirées, en fait, tout le monde peut rentrer, sortir à n'importe quel endroit. Donc c'est super cool. Et donc voilà, la terrasse, comme je le disais ici, c'est le coin carrément chill le soir. Bah pareil, il y a des LED en fait qui sont dans le mur de végétation qu'on verra la nuit. Mais super agréable. Et puis sinon, on a vraiment tout ce balcon qui est énorme et qui fait tout le tour en fait. Qui fait tout le tour et la vue, honnêtement, c'est tellement inspirant. Ce que je fais généralement le matin, c'est je me lève et je vais venir dans la cuisine en passant par ce couloir, on va dire, de terrasse. Et puis, regarder la vue. Il faut savoir qu'à Panama, il fait entre 27 et 31 degrés toute l'année. Donc, il y a les saisons des pluies, il y a les belles saisons. Mais voilà, la température est toujours super agréable. Ici, une petite table où je prends généralement mon café. Je lis, je ne mange pas parce qu'il fait trop chaud. Ici, j'oublie carrément d'arroser les plantes. Ah, c'est terrible. Ah, si, mais putain, regarde. Mais... Là, c'est censé être un palmier. Pareil, en fait, j'oublie carrément d'arroser. Mais voilà, on rentre dans la cuisine et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'appartement. Et donc, je vais t'inviter. On va toquer chez les copains ou on va toquer chez les copains. Oh, on va toquer chez les copains et puis après, je vais te montrer un petit peu le building et un petit peu ce qu'il y a à faire autour d'ici. Bon, du coup, là, on se retrouve dans les couloirs de la Trump. On va aller prendre l'ascenseur et puis on va aller toquer chez les copains. Voir qui est le... Bon, ça va, tout le monde devrait être levé, là, il est quelle heure? Midi. Midi, ouais, non, ça va quand même, 11h30. 11h30, on va aller voir ce que font des jeunes entrepreneurs français dans un paradis fiscal. On va voir ce que tout le monde fait. Et puis, surtout, je vais pouvoir te présenter d'autres personnes, on va dire. Et... Attends. Ouais. Et ça va aussi finalement te permettre de voir que gagner sa vie complètement en ligne et gagner des sommes importantes à on va dire, un jeune âge, que ce soit en trading ou d'autres manières, alors c'est quelque chose qui est peu commun, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible, d'accord ? Premièrement, tu le vois par moi, mais là encore une fois, tu vas le voir par plein d'autres personnes qui sont extrêmement jeunes et tout le monde a des parcours qui sont complètement différents. Donc j'espère que ce type de vidéo au moins te motive un petit peu et te montre que finalement, c'est possible et de ne pas forcément écouter les gens que tu vois autour de toi qui te disent c'est pas possible, arrête de rêver, etc. C'est carrément possible. J'en suis la preuve et tous mes potes en sont la preuve aussi. Ah bah tiens, on va te montrer la vue. Oh vas-y, on montrera la vue chez... Attends, mais là d'abord on va aller chez Flo. Hey Yola. Allez. Food, you. Ah, comment est-ce que ça ? Food, Polke mi amigo de Francia, viene. Ah. Entonces... Food stop, deux semanas, okay. Después food también. Ah, lito. Si. Ciao, ciao, amigo. Mec, ce niveau d'espagnol. C'est incroyable. Combien de temps t'es là? Un an et demi, deux ans? Ça fait un an et demi, ça va presque faire deux ans. Et ouais. Je suis éclaté, je suis pire que quand j'ai passé mon bac. Non, mais vraiment, c'est le pire truc. Bon, bah, toi, du coup, bonjour. Alors, voici Florian. Enchanté. Non, non, Flo. En vrai, je suis pas habitué à être à la caméra, tout ça, mais. Ça se voit. On m'a dit, ouais, en vrai, si je peux passer en deux. Je suis allé chez. Enfin, bon, bref, en gros, chez tout le monde. Ouais. Je vais toujours demander une question okay. Par rapport à la personne. Okay. Du coup, pour Flo, ce qu'il faut savoir avec Flo, c'est que c'est. Bon, pas une des rares personnes, mais bon, tu fais partie des personnes qui, avant d'être full entrepreneuriat et de travailler pour toi, il a été dans le salariat, concession automobile. Feu vert, McDo. En boulangerie, McDo. J'ai ouais. Un peu tout fait avant ça. Donc voilà, donc je pense, quel conseil est-ce que tu aurais pour quelqu'un qui veut se lancer soit dans le business, donc comme tu sais, moi c'est finance, et voilà, que ça soit dans la finance, dans le business, dans peu importe, mais qui est aussi salarié okay. Et qui donc il n'a pas trop de temps, enfin il taffe aussi, tu vois. Okay. Toi, comment tu as fait? Quel serait ton conseil sur ça? Bah alors déjà, ce que je vais conseiller, c'est se coucher assez tôt, c'est pas une blague, se coucher vers les 22h par là, se lever assez tôt pour travailler du coup forcément avant de prendre son poste. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant pratiquement un an au final avant de,
avant d'arrêter mon emploi. Et surtout, essayez pas de quitter votre taf super rapidement et ne mettez pas non plus toute votre énergie dans le business dès le début. Parce que sinon, vous allez un petit peu être perturbé entre les deux. Ce qu'il faut, c'est voilà, prendre le temps de bien faire les choses, prendre le temps de bien vous former. Et à partir du moment où vous avez une trésorerie, on va dire, assez conséquente, moi personnellement, ça a été 50K. Au bout d'un an, bah, c'est là où j'ai quitté et où j'ai commencé, enfin, où j'ai plutôt été full business après par la suite, quoi. Voilà. Voilà, et je pense que ouais, ça, je rejoindrai carrément ce que Flo dit. Je vois trop de personnes qui disent alors, je vais quitter mon taf pour faire ça, ouais. Ou alors, je vais arrêter mes études pour faire ça. Je pense qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même. Dans beaucoup de cas, si on fait quelques sacrifices, on a le temps de faire deux choses en même temps. Et quand la deuxième chose qu'on fait prend le dessus, c'est là qu'on peut vraiment arrêter le taf, arrêter ses études, etc. Mais ça me fait un peu de la peine quand je vois des personnes dire « je vais pas faire d'études parce que je vais faire que ça ». Si ce « que ça », ça ne marche pas encore, mais tu sais même pas si t'es bon, enfin sans être méchant, mais tu sais même pas si t'es bon à le faire. D'abord, ouais. Et ensuite par contre, dès que vous êtes dedans et que vraiment vous êtes à 100% là-dedans, allez-y à 2000%. Carrément. Clairement. Du coup, voilà. Bon, parfait, frère. Allez, allez frère. Bravo. Ciao. Bisous. Bisous, bisous. On fait un truc ce soir ? D'accord. Attends, c'est quoi ? Filme-le. Filme-le. Si vous êtes gentil. Filme-le. On va voir si vous êtes sympa. Vas-y, dis-moi. On va au karting. Je redemanderai pas. Je ne redemanderai pas. Je le demande une fois ce matin. Karting ouais. Ce soir. On verra si vous y pensez. Moi, j'y ai pensé hier. Faisons comme ça. On verra si vous y pensez. Vas-y. Vas-y. Là, maintenant, passons donc à l'entrepreneur 2. On va voir s'il est chez lui. Mais. Yo frérot, ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Tranquille mec. Hey, ça, c'est Timo. La star. Hop là. Du coup, là, je faisais filmer un petit peu à la Trump. Ouais, et j'allais chez tout le monde pour montrer que, un, c'est pas, on va dire, anodin d'être jeune et de pouvoir s'expatrier, d'avoir des business en ligne, etc. Et puis surtout, je vais poser des questions différentes suivant de la personne, tu vois. Okay, alors, super. Ce qu'il faut savoir avec Adam, qui est quelque chose que je respecte énormément, c'est que, par exemple, à l'opposé de moi, qui ai commencé en trading et qui aujourd'hui est toujours en trading, donc j'ai fait que ça toute ma vie, c'est vraiment ma bulle, la finance. Mm-hmm. Adam, lui, a su rentrer dans plein de business différents, dans plein de niches différentes, et il a réussi à être successful, comment on dit en français ? Avoir du succès, je pense. Ouais, a réussi à avoir du succès dans toutes les différentes niches qu'il a pu faire. Du coup, toi, tu dirais, c'est quoi, on va dire, soit les qualités ou les skills, ou enfin n'importe, qui t'ont permis, oh le chien, qui t'ont permis de bifurquer en fait dans plein de business différents et de toujours avoir cette réussite, peu importe où tu vas, tu vois. Ouais, ok. Ça, clairement. Je pense que pas beaucoup de personnes l'ont, tu vois. Ouais, bah écoute, moi je pense que déjà, c'est pas vraiment une question de personne. Ouais. Parce qu'en soi, par exemple, toi, t'as donc réussi dans tes business, mais c'est que t'as pas forcément changé de business. Mais je vois lorsqu'on parle ensemble, je suis sûr et certain que lorsque tu vas te lancer dans un autre projet, donc là par exemple, t'as peut-être un petit projet en tête, et ben en fait, tes compétences que t'as eues dans l'autre business vont te servir dans ce projet-là. Ok. Et du coup, je le vois énormément dans tous les business que j'ai rejoints, mais il y a toujours des similitudes. Soit par exemple le marketing, créer la communauté, justement, c'est d'avoir de recruter la meilleure équipe. Donc au final, je pense que quand on devient entrepreneur, on développe des skills et après, c'est vraiment une question d'adaptation et aussi du coup de s'entourer des bonnes personnes qui ont déjà fait en fait ce que nous on veut faire. Quoi, en gros, c'est simple, si on veut viser un résultat en e-commerce, imaginons on veut créer une marque qui veut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entourer donc dans l'équipe de personnes qui ont déjà monté une marque à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Plutôt que de recruter la personne qui débute tout juste, et ben on va essayer d'aller recruter la personne qui a vraiment déjà accompli l'objectif qu'on vise. D'accord. Pour bon donc pour toi, ça serait s'entourer des bonnes personnes. Ouais, je pense, dans le domaine qu'on vise. Ouais, ok. Je pense que ça pourrait être utile. Ok, ok. Bon, super intéressant en tout cas. Yo frérot, ça va ? Allez, bien, tranquille et toi ? Tranquille. Je te présente Gabi, bon pote à Panama. Là, j'allais chez tout le monde pour poser des questions. Poser des questions. Du coup, toi, la question. Alors, parce que du coup, évidemment, Gabi, expatrié fiscal à moins de 25 ans à Panama, donc clairement, tu as réussi niveau business. Quel conseil est-ce que tu aurais pour n'importe qui se lance ? Que ça soit, bon, pour ma part, c'est en trading, mais que ça soit, toi, c'est les box, que ça soit e-com, que ça soit peu importe. Ce serait quoi, toi, ton conseil en tant que quelqu'un qui a déjà réussi, disons ? Alors moi, mon conseil, ça serait toujours avoir une vision long terme,
lorsque tu prends une décision, regarde toujours sur le long terme. Par exemple, si tu veux te lancer dans le business, choisis un business que tu vas garder sur le long terme et développe-le un maximum. Et surtout, reste focus dessus et commence pas à faire 15 business différents en même temps, parce que sinon tu vas aller nulle part. Donc choisis un business et dis-toi, ok, je vais jusqu'au bout et sur le long terme, je reste sur ce business-là. C'est mon premier conseil. Je pense qu'il a bien résumé, j'aurais pas mieux à dire. Ça a coulé fort. Bon, là, on va passer voir Johan. Donc là, on est dans un des lobbies de la Trump Tower. Pas du grand ici. Ouais, mais voilà, donc là, il y a le lobby de la Trump qui est un peu différent. Enfin, ça, c'est un des lobbies, comme je disais, je crois qu'il y en a 3-4. Et ouais. Ça ne tombe rien du tout, là, les amis. Yo, frérot, ça va? Tranquille, tranquille. Du coup, Johan, qui habite donc aussi ici à la Trump. Du coup, ce qu'on a fait, c'est ce matin avec Théo, on a filmé un appartement tour chez moi. Et puis après, on est allé chez Gabi. Donc, Johan, d'ailleurs, est l'associé de Gabi. Yes. Donc, on est allé chez Gabi, on est allé chez Etienne, chez Flo, chez Falco, chez Adam. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est demander des conseils par rapport à certains trucs qui définissent un peu la personne, tu vois. Parce que ce que je disais à la caméra avant, c'est que pour ma part, donc, je suis en trading et j'espère que ce type de vidéo motive les personnes pour qu'ils voient qu'en fait, c'est pas... Enfin, qu'il y a d'autres personnes, tu vois. Et que rien que dans ce building, on est je sais pas combien. Voilà, tu vois. Du coup, alors, en termes de questions, ouais. Je pense, en termes de questions, un truc dont on n'a pas du tout parlé et que doit potentiellement intéresser les personnes, c'est finalement Panama en soi. Donc ouais. Toi, t'es parti de la France, Marseille, je crois. C'est ça. Donc on n'était pas très loin, on n'était pas très loin. T'as déménagé à Panama. Donc premièrement, pourquoi le Panama? Sachant qu'on a Dubaï, on a la Suisse, on a le Paraguay, on a le Costa Rica. Ouais. Et quel conseil t'aurais pour des gens qui rechercheraient à s'expatrier et quelles seraient potentiellement les raisons? D'abord, pourquoi Panama? Parce que d'abord pour des raisons fiscales évidentes, c'est pas pour rien qu'on est là. Et quand tu commences à gagner pas mal d'argent à un moment donné, bah, ça devient intéressant quand tu es en ligne d'aller ailleurs, de s'expatrier. Mmh. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Panama. Et à côté de ça, parce que c'était intéressant pour moi d'être sur le continent nord-américain. Il y a les États-Unis pas loin. Nous, c'était un marché qu'on voulait exploiter. Et à côté de ça, aussi pour voyager, parce que la situation de Panama, c'est génial. Tu as la Colombie en dessous, le Mexique pas loin, le Costa Rica. Ouais. Donc à la fois pour bouger, pour les impôts. Et après, pour le style de vie qui me plaisait bien ici, que c'est un peu, c'est très américanisé en fait. Donc européen, on s'y retrouve bien, je trouve. D'accord, ok. Et pour n'importe quelle personne qui aimerait bouger, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bouger à Dubaï par exemple. Ouais. Moi personnellement, Dubaï, j'aime bien pour les vacances, pour y vivre un peu moins. Après, ça c'est le choix personnel. Mais quel conseil tu aurais pour quelqu'un qui cherche à s'expatrier, qui cherche à bouger? Ouais, quelqu'un qui cherche à s'expatrier, bah d'abord c'est d'abord de regarder sa situation. Moi je conseille toujours de s'expatrier quand tu commences à gagner de l'argent. Ouais, c'est carrément. C'est pas le coup de s'expatrier normalement, tu vois. Il y en a qui font les choses dans l'envers. Ouais, carrément. D'abord gagner de l'argent, une fois que tu gagnes de l'argent, bah là tu as un certain confort et là tu commences à t'expatrier. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et ensuite, Panama, je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons que toi. Il y avait Dubaï qui était intéressant. Mais il y a un côté un peu plus nature ici, où tu peux découvrir plein de choses, etc. Dubaï, c'est très artificiel. C'est aussi ce qui m'a fait plutôt choisir le Panama. Ok. Bon, bah cool. Je pense qu'on a fait après le tour de Panama. Merci, frérot. Merci à toi. Bon, on va aller chez Falco, là. On ignore les faux raccords vestimentaires. Parce qu'après, on va aller à la plage. On ne regarde pas ça. Mais bon, histoire de se changer. On arrive chez le maître. Yo frérot, ça va? Bien. Ça va gros? Les gars. Tu vas bien? Je vous présente Falco, expert NFT. Exactement. Bienvenue chez moi les gars, Panama. Du coup, comme je le disais, Falco, expert NFT. Et alors je pense que la question qui serait intéressante à lui poser, parce que je pense que beaucoup de personnes le savent, le monde des NFT est assez récent. Tout nouveau. Et toi, je sais que tu es vraiment chaud dans ce domaine. Comment est-ce que tu as fait pour passer de tu ne connais rien en NFT, donc bon, toi c'est en NFT, mais parlons de manière plus générale, comment tu as fait pour t'intéresser à un domaine et passer de tu n'y connais rien à expert dans ce domaine, donc quelqu'un qui veut se mettre dans le trading, dans le peu importe le business, et comment tu as fait vraiment pour te mettre à fond là-dedans? Quels seraient tes conseils? Moi vraiment, quand j'ai commencé dans un premier temps les NFT, je ne connaissais absolument rien, donc j'ai un petit peu commencé dans la crypto.
Ok. Et après, j'ai vite dérivé dans les NFT dès que j'ai découvert, je suis tombé dessus. Et à ce moment-là, quand je me suis lancé, même aujourd'hui, c'est un peu plus facile du coup, mais avant, quand je me suis lancé, il n'y avait vraiment aucun contenu pour se former, etc. J'étais vraiment obligé d'aller creuser. Okay, toi, encore pire finalement que si quelqu'un veut se lancer soit aujourd'hui dans les NFT, soit dans le trading où il y a plein de contenu. C'est des business qui sont en place depuis pas mal d'années maintenant. Et donc aujourd'hui, c'est encore plus simple. Ouais. Mais à l'époque, donc, ça faisait un an et demi comme ça, j'étais obligé vraiment de chercher du contenu, mais partout, que ce soit sur YouTube, Internet, vraiment creuser, tout le temps m'intéresser à la chose. Également parler avec les gens, donc les gens qui étaient plus ou moins en place dans la crypto et aussi tout ce qui prêtait aux NFT à l'époque, donc vraiment s'intéresser, poser des questions, ne pas avoir peur tout simplement d'interagir avec les gens et d'aller creuser ses recherches et bien évidemment prendre un minimum de risques. Et c'est comme c'est la meilleure façon se lancer, prendre des risques, et c'est comme ça que tu apprends aussi. Et même si tu fais des erreurs, c'est le meilleur moyen d'apprendre au final, tu vois. Je pense que ça rejoint beaucoup de personnes, c'est que tu peux apprendre beaucoup de choses, lire sur beaucoup de sujets, regarder beaucoup de vidéos, mais tant que tu te lances pas et que tu le fais pas vraiment, tu fais pas ton vrai argent, ça reste à partir du moment où tu fais vraiment des erreurs, que tu te dis ok, c'est le genre de truc qu'il faut que je fasse plus jamais, et j'aurais dû faire ça plutôt que ça, et comprendre aussi pourquoi ça a pas marché, et pourquoi ça, si t'aurais fait ça plus tôt, ça aurait plutôt marché. Ouais, bien sûr. Constamment se former, constamment apprendre, constamment s'intéresser à la chose sur laquelle tu veux te lancer. Honnêtement, c'est le meilleur conseil. Et je pense aussi de se lancer dans quelque chose qui nous intéresse vraiment. Pour ma part, je parle du trading, je suis absolument passionné, ça fait des années, c'est pour ça que j'ai commencé par ma passion. Toi, je sais, dans ton domaine, tu pourrais pas passer autant de temps que tu passes à taffer sur les NFT si tu kiffais pas ce que tu fais. Exactement, c'est ça. En vrai, il n'y a pas de secret, mais quand tu kiffes quelque chose, et c'est plus, tu fais plus par passion, comme tu dis, que moi je vois ça plus aujourd'hui comme un kiff, une passion, que du taf. Ouais, bien sûr. En plus de ça, ça c'est quelque chose que j'adore et quelque chose qui se développe encore plus et en train de se démocratiser. Donc c'est que du kiff, honnêtement. Et ça paye, hein, Ouais, bah d'ailleurs, attends, vas-y, regarde toi, il a une collection NFT, Donc ouais. Mais bon, en tout cas, c'était cool, frérot. Et puis on se voit ce soir. Donc, bien sûr. Ça va, frérot? Ça va, mec? Ça va, tranquille. Etienne? Salut. Etienne PLC sur Insta, sur YouTube. Ça va? C'est vraiment un stagiaire qui a terminé avec moi au lycée. Du coup, qui est venu à Panama ici pour travailler. Pourquoi ça paye les amis? Bah, ce soir, chaque fois, je pose une question qui est en lien avec la personne. Du coup, faut essayer de donner un max de valeur. Alors, ce qu'il faut savoir avec Étienne, c'est que c'est le plus jeune expatrié fiscal ici à Panama. Il a déménagé ici quand il avait 17 ans. Voilà, Fullicom, bon, comme je disais, on n'est pas forcément dans les mêmes domaines. Mais alors, toi, je pense que la question qui serait super intéressante, c'est quel conseil est-ce que tu aurais pour les personnes et pour essayer de surmonter les obstacles? Parce que toi, évidemment, vu que tu as commencé quand tu étais mineur, bon, moi, c'était la même chose à l'époque. Mais c'est vrai qu'on commence quand on est mineur, il y a plein d'obstacles. Premièrement, tu peux pas ouvrir le compte en banque, la sauce, pas de société, la sauce, enfin bref, que des obstacles. Donc toi, tu as su tous les surmonter, c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Donc quel conseil tu aurais pour soit quelqu'un qui commence en étant très jeune, soit quelqu'un qui a plein de bâtons dans les roues? En vrai, il y a plein de gens quand ils se lancent, tu sais, ils vont essayer de prévoir les problèmes, tous les problèmes que tu vas avoir. Ouais, ils vont se dire potentiellement, Là, ils passent 30 ans à faire ça avant de se lancer. Ouais. Et ils attendent que tout soit parfait pour se lancer, tu vois. Mm-hmm. Pas attendre que tout soit parfait, il faut juste se lancer. Ils attendent de savoir faire toutes les étapes jusqu'à la fin avant de. Et du coup, bah non, faut régler les problèmes quand ils sont devant vous, quoi. Faut pas essayer de tout prévoir à l'avance. Bien sûr. Tu te lances, t'attends pas que tout soit parfait et puis. Voilà. Ok, donc prendre les problèmes un à un, ceux qui arrivent et pas prévoir les problèmes qui vont arriver potentiellement. Bah, je suis d'accord. En vrai, ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui font cette erreur, et c'est vrai que ça fait perdre énormément de temps. Ouais. Ça peut décourager aussi. Parce que, genre, la plupart des entrepreneurs, ils réussissent, en soi, c'est un peu des gens inconscients, tu vois. Ouais, dans le sens où ils disent, ah, ça va être hyper rapide, ça va être. En fait, ça prend trois fois plus de temps. Mais c'est ça. Ouais. Tu te lances direct, tu résous les problèmes quand tu les as sur le moment, et c'est tout, quoi. Puis je pense que même les personnes qui planifient les problèmes, souvent, c'est une excuse. Je dis ça, par exemple, je vois des personnes qui veulent toujours faire quelque chose qu'ils n'ont jamais rien fait. Ouais. Leur truc principal, c'est généralement, ouais, mais si je fais ça, il faut que je crée la société, là, il faut que je fasse le truc. Genre, non, ou alors, ouais, le niveau fiscal, après, l'État.
gros, gagne de l'argent. Une fois que tu as un problème fiscal, c'est très bien. C'est très bien et tu pourras régler le problème fiscal. Pas penser au problème fiscal avant même d'avoir gagné. Non, c'est clair. Il y a trop de gens qui essaient de prévoir à l'avance. D'un côté, ouais, ça te démotive en plus. Ouais. Dans le sens où tu te dis, putain, il va falloir faire tout ça et tout. Alors que quand tu te lances, ça arrive. Au début, t'as pas forcément de problème. Tu commences à faire un peu. Non, c'est vrai que. Ouais, c'est mon conseil, on va dire. Bon, maintenant, je vais t'emmener avec moi voir un petit peu les infrastructures donc, de la Trump Tower ici à Panama. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 piscines, je crois. Il y en a une au tout dernier étage, 66. Mais elle est fermée, je crois. Enfin, j'en sais rien, mais... Ouais. On a une première piscine ici qui est chauffée. Donc, c'est plutôt agréable. Même s'il fait 32 degrés. Hein. On a la première piscine là. Donc, comme on peut voir, c'est des piscines qui sont Infinity. Donc vraiment super agréable, surtout le matin. Il faut savoir que le matin, on a le lever de soleil ici. Donc je vais généralement venir ici, lire un petit peu ou quoi que ce soit. C'est vraiment super, super agréable. On a restaurant ici. je crois que je l'avais déjà dit, mais on a moins de 10% en tant que résident sur tous les restaurants, etc. Bon, ça va être pas énorme. Hein. Et puis là, on a donc le deuxième côté avec la même piscine. Donc piscine Infinity encore. Et puis une autre piscine là, donc je t'avoue, je sais. Enfin bon, bref. Les piscines Infinity sont beaucoup plus sympas. Et on a des beds. Donc si on vient voir. Comme je disais, le matin, tu peux venir te caler sur les beds et t'as la vue directement mer, piscine. C'est juste absolument dingue. Là, quand on prend les escaliers, on peut descendre sous le niveau de la piscine. Donc c'est l'espace fumeur. Mais on peut se caler, boire un verre aussi. Et puis on voit la piscine de en dessous. Donc ouais. Voilà ce qu'il y en a un petit peu pour les infrastructures de la Trump. Maintenant, juste ici, on a la salle de sport de la Trump aussi. Bon, on va pas y aller, on va pas aller déranger les personnes. Mais c'est, je crois, la plus grande salle de sport résidentielle d'Amérique latine. Donc, ouais, elle est vraiment cool. Et tout en bas de la Trump Tower, on a plein de commerces. Donc, ce qui est assez marrant, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Il y a beaucoup de choses liées au crypto. Alors, ici, on a TacoCode, qui est un token, donc une nouvelle crypto qui vient d'ouvrir. Bref, entre nous, un scam. Là, on a un premier truc crypto. On a encore un autre truc là-bas qui s'appelle Crypto Panama. Bon, après, voilà, il y a tout ce qu'il faut sur place, un supermarché. Ici, tu peux, comment on appelle ça, dry cleaning. Donc, crossing. Tu peux mettre tes habits au sale, compter avec toi, compter de la main chez toi. Faut savoir aussi que dans la Trump Tower, tu as un service, comme je disais, il y a l'hôtel, donc tu as un service de room service à la maison. Donc tu peux commander les pâtes, tu peux commander ce que tu veux et on te livre directement à la maison. Ici encore, on a une galerie d'art NFT. Je pense que tu as le Franco. Galerie d'art NFT. Donc là, tu peux voir, il y a tous les bordés en haut, il y a tous les Mutant Ape en bas. Et donc voilà, comme ils le disent, Physita, donc c'est une galerie d'art qui va ouvrir avec des NFT au mur. Une galerie NFT. Donc encore une fois, super cool d'avoir finalement dans la tour énormément de choses high-tech. Et un petit peu du moment avec beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent dans la tour. Là, sinon à gauche, on a le restaurant. Là, on a le Petit Paris, qui est un restaurant français, ça fait du bien. Ici, on a un restaurant italien qui est lunaire. Et puis, bah, on va manger. Donc, coupe la caméra. Yes. Ciao, les gars. Et du coup, sinon, ici, on est à la Vespa, donc restaurant italien qui est juste en bas de la Trump. Et en tant que résident, je crois qu'on a 15%, 10% ou 15% de réduction dans tous les restos. Et voilà, le cadre est juste top. Et surtout quand tu sais que tu peux descendre à tout moment. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je vais travailler. Et tu peux venir te poser ici, déjeuner rapidement et puis remonter ta fête. Donc bon appétit.